Coucou les copains, demain jeudi 27, oui il va pleuvoir fort, mais ne vous inquiétez pas, on fera dans les tribunes la séance en entier. L'échauffement, il va y avoir 8 trucs différents, donc je vais vous montrer. Ensuite le WOD, il y aura 7 tours, donc les 7 tours, le but ce sera de les faire en moins de 16 minutes, comme j'ai écrit tout en bas. Il y aura 12 push-ups surélevés, donc en fait surélevé ça veut dire que vous allez mettre les mains sur votre halter. Si vous n'avez pas d'halter, vous êtes un kettlebell, vous pouvez faire les pompes habituelles au sol. Ensuite 9 dumbbell clean and jerk, donc clean and jerk avec votre charge. Ensuite, 9 box jump ou 9 box step up, donc sauter sur votre boîte ou monter sur votre boîte un pied après l'autre. Et ensuite, 12 no push-up burpees, donc ça veut dire que c'est les burpees, mais sans faire la pompe, le saut et la partie où on va au sol sans plier les bras. Je vous montre tout ça. On commence avec scapula push-up. J'enlève mes chaussons. Scapula push-up, c'est le mouvement où je me mets en pompe et je viens juste en faire 30, du coup, où je viens serrer mes omoplates, bomber mes omoplates, serrer, bomber. J'en ai 30 au total comme ça. Ensuite, je prends ma charge, quelle que soit ma charge, je mets en bent over row, donc en bas du good morning. Je vais faire la même chose, je serre mes omoplates, je relâche, je serre, je relâche, serre, je relâche. On en fait 30. Une fois qu'on a fini ça, on va se mettre en bas de la pompe pendant 45 secondes. Si vous faites d'habitude les pompes sur les genoux, bah mettez-vous à genoux. Si vous faites les pompes sur les pieds, vous mettez sur les pieds. Vous allez vous mettre en bas de la pompe sans toucher la poitrine au sol et 45 secondes comme ça. Une fois fini, 45 secondes, on relâche, on reprend l'halter, on se repenche vers l'avant, le dos bien droit, tension vers les cuisses, on tire, on ne vient pas toucher la poitrine, mais on tient 45 secondes, omoplates serrées, les coudes proches des côtes, 45 secondes, au ski. Une fois fini tout ça, on va faire, je vais marquer à droite, 30 hurdles. Imaginez que c'est un hurdle, c'est une haie, donc imaginez qu'il y a une haie, vous allez faire ça, passer par-dessus. Donc là, j'en ai fait 2, 3, si pour que ça vous paraisse pas trop chiant, genre je parle pour Mélissa parce qu'à chaque fois elle galère, vous pouvez imaginer que vous avancez, vous pouvez le faire en avançant, d'accord? Genre vous en faites 4, quand vous avez fait les 4, vous faites le retour, voilà, on va jusqu'à 30. Une fois fini ça, on fait 40 mini jumps, donc jambes légèrement fléchies, on reste en jambes fléchies, pour venir, voilà, et on ne pose pas les talons, on reste en pointe de pied, on en fait 40. Une fois fini ça, 50 montées de genoux. À nouveau, sans poser les talons, on reste en pointe de pied, 50, donc 25 par jambe. Une fois fini ça, 60, plank, touch, me mets en planche, main droite touche épaule droite, main gauche touche épaule gauche. Si ça c'est trop dur, on se met à genoux, on fait la même chose. Une fois fini, on passe au WOD. Le WOD, 7 tours. Premier mouvement, pompe surélevée. Donc mes mains sur mon halter, ici je fais mes pompes surélevées. Si c'est trop dur comme ça, je me mets à genoux. Voilà. Et si vous n'avez pas une charge qui vous permet de mettre les deux mains dessus, vous faites vos pompes au sol habituelles. 12. Une fois fini, 9 dumbbell clean and jerk. On part du sol à chaque fois. Soit à une main si elle est à l'haltère, au kettlebell aussi à une main. Si vous avez une charge sac à dos, vous faites à deux mains, vous amenez aux épaules et vous poussez au-dessus de la tête. On part du sol à l'épaule. En deux temps, on passe. On change. Touche. Revient. Pousse. Touche. Reviens, pousse, jusqu'à 9. Petit conseil, commencez pas toujours par le même bras, comme ça vous ferez 5 d'un bras, 4 de l'autre, et chaque tour vous changez. Une fois fini ça, 9 box jump. Box jump, optimalement, il faut sauter sur ça. Mais bon, là, ça glisse. Donc en gros, moi, à la maison, je le ferai en box step-up, par exemple, comme ça. Mais si vous avez de quoi sauter sur une boîte, vous sautez dessus. Quand on est en haut, on fait bien l'extension de hanche pour valider la répétition. Et une fois fini, on fait 12 burpees, mais sans la pompe. Je balance le pied, je reviens. Je saute. Donc en fait, on ne fait pas la phase relou du burpee. C'est aller au sol. On remonte le tableau. 7 tours à faire en moins de 16 minutes. Bon courage à tous et à demain pour certains.